Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour cette nouvelle guidance générale ici pour votre mois d'août 2021. Donc je vais utiliser quatre différents oracles un petit peu différemment de d'habitude parce que le temps va me manquer sinon pour faire tous les signes avant le mois d'août. Donc du coup je m'adapte, hein. Quand il y a des imprévus on s'adapte, c'était prévu entre guillemets qu'il y ait des imprévus, c'est ça qui est drôle. Mais voilà, donc quatre oracles, le tarot des anges que je vais utiliser, l'oracle de l'arbre de vie, le petit oracle de la forêt et l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre ici pour en fait votre guidance du mois d'août. Au mois de septembre, je reprendrai les guidances beaucoup plus poussées comme je le faisais auparavant depuis le mois de juin. Mais voilà, je m'adapte pour juillet-août suite à des imprévus. Du coup, je souhaite aussi vous remercier, mes abonnés, hein, d'être toujours présents, de votre soutien, de vos messages. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Voilà, dernière chose, pour une guidance personnalisée, pour l'instant, je suspends les rendez-vous parce que moi aussi, je vais prendre un petit peu de temps pour recharger mes batteries et me ressourcer auprès de ma famille, du coup, pendant ce mois d'août. Et je vous retrouve, du coup, première semaine de septembre pour les prises de rendez-vous, si vous souhaitez. Mon site sera réouvert à nouveau la première semaine de septembre pour des guidances personnalisées sur rendez-vous et en présentiel aussi pour ceux qui seront dans le secteur. Voilà, on y va tout de suite pour vous, donc les Gémeaux, pour ce mois d'août 2021. Alors les Gémeaux, du coup, qu'est-ce qu'on va me dire ici? Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc des portes vont s'ouvrir ici, des opportunités vont arriver à vous en ce mois d'août. Il va falloir les voir et puis surtout les saisir ici, hein, parce que ça peut aussi vous conduire à un avancement professionnel pour certains. Sur le plan général, hein, sur le plan professionnel, il va y avoir de l'avancement. Ça peut dire aussi signature de contrat, des occasions pour trouver un poste, ceux qui sont en recherche d'emploi. En tout cas, avancement professionnel, ça peut être aussi promotion, monter en grade, évoluer dans son entreprise. Ça peut aussi partir en retraite pour certains, hein, un avancement professionnel, c'est-à-dire que voilà, on a travaillé toute sa vie, on a bien mérité maintenant le repos et d'en profiter un petit peu. Donc voilà, ça peut aussi être un avancement sur le plan professionnel, même si on quitte quelque part la vie professionnelle. Voilà. On vous dit ici, transformez votre vie dès maintenant. Ici, du coup, la façon dont c'est écrit et puis la façon dont je le ressens, c'est que vous êtes maître de votre destin aussi. Vous avez votre vie entre les mains et c'est en agissant, en avançant vous-même, en poussant peut-être des fois le destin que les choses vont évoluer. Et c'est vous qui êtes capable à la base de transformer votre vie et ce, dès ce mois d'août. Donc les choses en tout cas semblent assez positives et semblent assez évoluer en votre faveur pour ce mois d'août. Alors ici, qu'est-ce qu'on va me dire? Indépendance ici pour certains, solitude, désert, on va aller voir ça. Communication, ok. Alors déjà très clairement ici, plusieurs messages. On me parle avec la carte de la solitude qu'il est peut-être temps pour certains Gémeaux de quitter votre solitude, de sortir de ce repli sur vous et d'aller vers les autres, de communiquer davantage avec les autres. Ici, quelque part, voilà, j'ai un petit bonhomme qui est tout seul ici en traversant le désert. Donc, il peut s'agir aussi d'une personne avec le désert qui traverse une période difficile ici en ce mois d'août. On commence le mois d'août vraiment très compliqué pour quelqu'un. On se sent très seul. On a l'impression, oui, de traverser le désert, que ça n'en finit pas, que les choses ne s'améliorent pas. Et on vous dit ici qu'il va falloir communiquer. J'ai encore ce petit oiseau, en fait, qui est tout seul ici en bas, hein, et qui, ici, se tourne vers les autres. Et ici, c'est un petit peu ce que je ressens avec cette carte-là. Ces deux-là me signifie qu'ici, il y a quelqu'un, ou plusieurs hein, Gémeaux, hein, qui sont en ce moment dans une solitude, dans une traversée du désert, parce qu'on a peut-être essuyé une épreuve compliquée, qu'on ne sait pas trop comment s'en sortir. Et c'est en vous tournant vers les autres, en communiquant vers les autres, que vous allez en trouver la solution.
En plus, derrière, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai quand même quelque chose de lumineux, d'ensoleillé. Donc ici, c'est en se tournant vers les autres que vous retrouverez le soleil. Alors, il peut s'agir bien sûr de se tourner vers sa famille, vers ses amis, bien entendu, vers une personne en qui on a confiance, parler à quelqu'un, mais ça peut aussi, bien sûr, être aussi parler à quelqu'un d'indépendant. Ça peut être quelqu'un, voilà, un psychologue, un psychothérapeute. Ça peut être quelqu'un, voilà, qui est là aussi dans son métier, qui a vraiment les compétences pour vous aider sur le plan psychologique aussi peut-être. D'accord ? Pour d'autres, on me parle si vous êtes indépendant ici et que vous avez l'impression de traverser le désert dans votre cheminement professionnel parce que c'est compliqué de se mettre à son compte, c'est compliqué de se lancer dans sa propre entreprise, etc. On vous dit ici que le message, ça va être de vous tourner aussi vers les autres et de communiquer. Ici, il va falloir jouer sur la communication pour pouvoir vous faire connaître, pour pouvoir vous faire bouger et pour pouvoir traverser ce désert ici sur le plan professionnel si vous êtes dans le domaine de indépendant, hein, si vous travaillez à votre compte. Ouais, on me dit bien ici hein, qu'il y a eu un petit accident de parcours, hein, qu'il y a eu un petit raté, il y a eu voilà, une petite branche de cassé et que c'est en vous communiquant, en vous tournant vers les autres ici, en ce mois d'août, que les choses, en tout cas, vous trouverez un soutien, d'accord, dans ce petit... Je vois ici, on me dit aller à l'endroit en plus, donc ça veut dire que ici il y a marqué accident plus grave. Non, c'est pas accident plus grave, c'est juste ici j'ai la sensation qu'il y a une petite erreur de parcours. On a dérapé, on a raté une marche, il y a quelque chose qui s'est pas cassé, qui s'est pas passé comme prévu, et on vous dit ici que c'est aussi en vous tournant vers les autres. D'ailleurs, peut-être que certains, en ce mois d'août, vont apprendre par message aussi ce petit dérapé, ce petit accident de parcours. Et on vous dit surtout de ne pas vous isoler non plus et de rester tourné vers les autres parce que les choses s'amélioreront quand même. On me parle qu'il y a un cadeau de la vie ici, après une période de désert ici, après une période où on a eu l'impression de... que ça n'en finissait pas avec le désert, j'ai l'impression d'une période très longue derrière vous ici, qu'on me dit, qui ne s'en finit pas. On attend quelque chose sur le plan d'indépendant ou sur le plan autre chose. Ici, j'ai quand même la cigogne qui dépose un bébé aussi pour certains gémeaux et on me dit qu'en ce mois d'août, les choses devraient bouger aussi si vous voulez peut-être avoir un enfant, si vous voulez concevoir un enfant. Les choses devraient avancer ici après une longue période d'attente. Eh ben oui, j'ai la naissance et le cadeau de la vie. Donc j'ai des petits poulets qui vont pousser ici en ce mois d'août pour les Gémeaux. J'ai des naissances qui sont prévues aussi pour ce mois d'août. D'ailleurs, peut-être que certains vont recevoir aussi des messages, des communications, soit pour vous annoncer votre grossesse ou la grossesse de votre partenaire, soit pour vous annoncer en tout cas peut-être la naissance d'un petit enfant, pour vous annoncer en tout cas une bonne nouvelle, un nouvel arrivant dans la famille. Et oui, c'est une nouvelle rencontre ici avec un nouvel être aussi dans votre vie pour certains. Donc des naissances aussi à prévoir hein, en ce mois d'août. Du coup, on me parle aussi qu'à la suite d'un petit accident de parcours, sur le plan professionnel, j'ai la sensation ici qu'on me parle aussi de professionnel. Il y a eu un petit accident de parcours, rien de bien méchant, quelque chose qui vous a fait réfléchir, quelque chose qui va peut-être vous faire dévier de votre route pour vous mettre cette fois-ci sur le bon chemin. Parce que ici, j'ai les fleuves. Les fleuves ici, alors si je me souviens bien de l'explication de cette carte, c'est un fleuve en Amazonie et qui ne se mélange pas. Donc ici, il y a bien deux voies, deux routes qui vont se faire et qui quelque part ne vont devoir vous demander je perds mes mots. Désolée parce que des fois quand je canalise, je ne trouve pas non plus les mots. On me dit un choix à faire à la suite d'un petit accident de parcours et c'est à la suite de communication, de messages que vous allez pouvoir faire ce choix qui va vous faire sortir d'une période de solitude, de désert, d'accord ? Sur le plan maintenant sentimental, s'il s'agit d'une naissance, on pourrait me parler, c'est marrant, j'ai deux fleuves qui ne se mélangent pas, on pourrait parler de faux jumeaux ici peut-être pour quelqu'un. Ici, il y a un gémeau qui va peut-être attendre des faux jumeaux ou la naissance de faux jumeaux, en tout cas, c'est possible, mais plutôt bien.
Il n'y a pas d'ombre à l'horizon. Et la conclusion, l'union, le mariage. Waouh, chouette. Ok, alors, l'union, oui, l'union, le mariage, à travers une naissance, c'est forcément l'union de deux personnes, c'est l'union de deux familles. Donc ici, quelque chose de très solide, de très soudé, une très belle carte pour conclure, hein, en tout cas, l'anneau magnifique. Sur le plan professionnel aussi, un choix à faire avec un nouveau parcours. Ici, c'est un cadeau de vie, c'est le facteur aussi vous apporte une bonne nouvelle ici, à travers peut-être un message, une communication téléphonique, j'ai les lignes de téléphone ici aussi. On me dit qu'à la suite d'un petit accident de parcours, ou alors ça peut être aussi un remplacement de quelqu'un qui a eu un petit accident au niveau du travail, on me dit que vous allez sortir de cette période de solitude et d'indépendance pour vous diriger vers une nouvelle voie. Il va y avoir un choix à faire et ce choix va vous conduire en tout cas vers une union, vers peut-être une signature de contrat pour certains. Ça va être un mariage pour d'autres aussi, hein, parce que ici on peut avoir traversé sur le plan sentimental de la solitude, le désert ici, et puis maintenant, en se tournant à nouveau vers les autres, en allant vers les autres, en sortant un petit peu de chez soi, de son cocon qu'on s'était fabriqué pour ne plus se faire atteindre, à la suite d'un petit accident de parcours, d'un petit accident entre guillemets de parcours sentimental ici, il y a un nouveau cadeau de la vie qui arrive à vous quand vous allez sortir de votre solitude, pour aller vers la nouvelle naissance d'une histoire sentimentale. Il y a une rencontre qui arrive à vous, deux personnes ici qui vont vraiment se rencontrer et qui pourraient te déboucher sur une union, sur un mariage en tout cas. Les conseils ici du petit oracle de la forêt pour vous, gentillesse, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Eh ben oui, c'est un petit peu ça, hein. La branche qui tombe ici aussi, ça signifie peut-être la fin de quelque chose, hein. Un petit accident de parcours, la fin d'un ancien parcours, pour se diriger vers le cadeau de la vie, vers un nouveau parcours, la naissance d'un nouveau parcours, pour pouvoir vous emmener vers là où vous devez être, c'est-à-dire un nouveau contrat, une nouvelle union. En tout cas, que du positif ici, les Gémeaux. Et je termine avec l'oracle de la Voix des âmes, avec la carte du secret de vos guides. Qu'est-ce qu'ils vous disent ici avec cette carte du secret? Alors, le secret, page 140. Alors, vos guides. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin de connaître un secret pour entrer en contact avec nous. Tu as besoin que cela soit limité à des personnes initiées, qui ont une révélation secrète et que ces personnes ne le partagent pas. Il n'y a pas de secret pour entrer en contact avec nous. Tu as juste besoin de faire le vide et de nous parler avec le cœur. Si tu as besoin de rituels pour te rassurer ou pour te connecter avec nous, tu peux le faire. Mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est important, c'est que tu te fasses confiance et que tu fasses confiance, que tu nous fasses confiance. Nous sommes auprès de toi, nous sommes là pour toi. Pour communiquer avec nous, nous t'invitons vraiment à te libérer d'anciennes croyances limitantes que tu peux avoir. Nous t'invitons à créer ta propre spiritualité et ta propre façon de communiquer avec nous. Nous t'invitons à prendre du recul par rapport à tes anciens rituels et à te concentrer sur ce qui est fait, écho et résonance à qui tu es et ce que tu veux. Et c'est un petit peu cette carte-là aussi, c'est-à-dire que ici, vous avez vos guides derrière vous, vous avez les personnes qui veillent sur vous aussi de l'autre côté. Il vous suffit juste de vous tourner vers eux pour quitter cet état de désert, cet état de solitude. Écoutez les signes qui vous envoient, écoutez les synchronicités qui vous envoient afin de vous faire quitter cette espèce d'accident de parcours, cette route accidentée quelque part un petit peu, pour vous envoyer vers là où vous devez vraiment être. Voilà les amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que vous passerez un très bon mois d'août. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonnes choses. Moi, je vous retrouve du coup au mois de septembre pour de nouvelles guidances, cette fois-ci hein, beaucoup plus poussées que là. Et puis pour des guidances personnalisées pour ceux qui le souhaitent. Voilà, mon site sera réouvert première semaine de septembre pour les rendez-vous. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Merci.